Bonjour les amis, donc systémien, aikidoka et ami tout court. Dans la pratique des arts martiaux, on a tendance à faire des gestes qui nous préservent, mais y inclure au milieu des mauvaises habitudes et des gestes qui ne nous préservent pas. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé de la capacité à fléchir sa hanche et à l'utiliser. Hein, donc aujourd'hui, je vais proposer à tous les copains aikidoka de rajouter une manière où ils utilisent cette flexion de hanche pour se relever, hein, pour illustrer, ben souvent sortir d'une immobilisation comme ceci, hop, on frappe et hop, et on va se relever en travaillant sur ses genoux. C'est une des possibilités, elle est correcte, hein, mais parfois on voit des gens qui vont se relever comme ça, et ça il faut le bannir. Voilà. Je vais vous en proposer une autre qui n'utilise pas vos mains. Ici, partir d'une immobilisation, ok. Fléchisseur de hanche, on pose le genou et on peut se relever. Histoire de mettre ça dans sa pratique en permanence. Ici, hop, je vais me relever. Je crée ici un levier de position qui va équilibrer mon corps. Et du coup, ça m'est possible de placer mon corps pour me relever. Ok, donc je remonte ici. Voilà, immobilisation. Ok, je vois mon partenaire. Hop, je peux me relever et je suis libre ici de faire quoi que ce soit. Donc c'est très bien d'inclure ça dans sa pratique parce que ça évite les mauvais gestes et la fatigue inutile. Ok. Donc, peut-être encore une fois, de sauter ici. Ici. Hop. Levier de position, pied à côté du genou. Et je peux à nouveau me lever sans souci. Ça marche? Ok. Allez, voilà, à une prochaine vidéo. Travaillez bien.